Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Monsieur Touré. Oui, Monsieur le Procureur. Bien, à la suite de mon éminent collègue, nous allons continuer à vous poser des questions. Pas de problème. Mais nous voulons des réponses simples et précises. D'accord, Monsieur le Procureur. Vous maintenez que le président Dadis avait écarté colonel Ousmane Conté. Akhébar Tinara, président Dadis a Ousmane Conté écarté. Ce moment, à ton pouvoir, ton goût. En ce moment, quand il a pris le pouvoir. Il a même pas écarté, il a mis en prison. Il voulait à ce que j'ai dit que j'ai fait des affaires de drogue à Ousmane, avec mais Ousmane Conté pour l'accuser. Par rapport à la prise du pouvoir, est-ce qu'il était retenu que c'est le président Dadis qui devrait succéder au président Conté ou bien c'était le colonel Ousmane Conté? Est-ce que n'a pouvoir Tongo fait? Et nous l'avons dit, colonel, capitaine Dadis, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, capitaine Dadis. Non. Ousmane Conté a pouvoir. C'était le pouvoir d'Ousmane Conté. Comme chef de divisionnaire pour l'intendant général. Pour ce poste-là, il a été donné comme chef de divisionnaire à l'intendance. Parce que comme étant homme fort de Koulou, comme lui connaît les hommes forts, de chercher troupes pour Ousmane Conté. Voici ce que je veux comprendre. Voilà, c'était ça. Vous aviez dit que le président Conté avait souhaité que ce soit son fils qui lui succède au pouvoir, n'est-ce pas? Conté a dit qu'il n'y a pas de place. Maintenez-vous, voilà. Arrêtez-vous là-bas. Tous les officiers sont partis. C'était ça son souhait, non? Voilà. Comment le président Dadis a pu prendre pratiquement la place de Ousmane Conté? C'est ce que je veux savoir. Ousmane Conté place. Pour que lui devienne président à la place de l'autre. Voilà, action dans le cadre, monsieur le procureur. Comment l'action s'est passée? Président Conté a tout fait. Même si Ousmane Conté lui-même n'est même pas au courant. Quand il est décédé, nous on n'était pas au courant. Même Ousmane Conté n'était pas au courant. Attends, Ousmane Conté, c'est lui qui a appelé Ousmane Conté. Moi, un de mon petit qui m'a informé que le président Conté est mort. Un de mes petits m'ont appelé pour m'informer que le président Conté est mort. Voilà. Donc, mon commandant Toumba Tangli m'a ramené. Je n'ai pas entendu le nom du commandant Toumba là-bas. Enfin, un de d'accord. Mon petit. Maintenant c'est petits. Bon. Alors, colonel Ousmane Conté, c'est le président qui l'a mis en prison? Ana colonel Ousmane Conté, Dadis n'a sa guéli. Dadis n'a sa guéli. Oui, c'est Dadis qui l'a mis. Merci bien. Alors, au cours de toutes ces péripéties, vous avez compris que le président Dadis voulait coûte que coûte se maintenir au pouvoir, n'est-ce pas? Il n'a pas dit qu'il y a un colonel, son nom Dadis, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Oui, c'était dans l'esprit là. On passe à une autre question. Les recrues de Kalia, elles sont arrivées précisément à quel moment, au kilomètre 36? Recrue de Kalia. Na Kalia a dit, mais il faut à kilomètre 36, l'air Mundun Kiri. C'était la nuit. Oui, je veux savoir par rapport au 28 septembre. 28 septembre, awa manan kolumbi. Est-ce que ces recrues sont arrivées avant le 28 septembre ou après le 28 septembre? Et fane ben 28 septembre ha lika 28 septembre dangirambe fafa. Non, et préparé avant que 28 septembre yanga. Ils se sont préparés avant 28 septembre même. Spécial. Ils sont venus pour cette mission-là spéciale. Donc ces recrues sont arrivées avant le 28 septembre. Ne fane bien le 28 septembre. Effectivement, monsieur le président. Bien. Est-ce que vous confirmez que le président Dadis avait effectivement dit en votre présence à Begré d'aller mater les manifestants? Arrêtez, Ting. Après ça, Farané et Yahori, il reste qu'il a manifesté et maté. Non, non, maté. Après Begré, non, Begré. Maté, ça, oui. Il a dit ça. Vous étiez présent? Je suis présent là-bas. Le président a dit ça à Begré d'aller manifester. Nous avons dit que à la chambre. J'étais là-bas, je mangeais dans sa chambre. Goro Sangare, nous n'en avons. Goro Sangare était là. Ah nous, Kegoro. Et la position de Begré. Tu me rappelles? Et la position de Begré. Vous m'avez rappelé. Il a appelé Begré. Au téléphone. Au téléphone. Begré est en ordre de reçoit un équilibre. C'est comme ça, Begré, lui, il a reçu l'ordre. Et qu'est-ce qu'il a dit? Amoussé Fala.
Ah, voilà, mais leader est minimal. Mais quand tu vois quelqu'un, il faut le mater. J'ai entendu que les leaders vont sortir. Mais si vous voyez quelqu'un, il faut le mater. Maintenant, il a dit ça à quel moment précis? Alors, pas voir Mundu. Non, on a fallu. Na, c'est le entre la 13h 14h. 13h 14h. Oui, quel jour? Laurent Mundu. Allô, c'est le. Qui est fait le 28 septembre? À la veille du 28 septembre. Le 27. Ah, le 27. D'accord. Et vous pouvez nous dire que tous ceux qui sont dans le box des accusés, il n'y a aucun innocent là-bas. Il n'y a pas de box d'accusés qui est bien fouillard, mais il y a un peu de fouillard. Ah, il y a un peu de innocent là-bas. Le celui que je connais innocent là-bas, peut-être mon modèle qui est là. Nous connaissons. Et Calonzo. Parce que je ne connais même pas. Calonzo, lui, je ne le connais même pas. Il sait. Makulu, lui, je ne le connais pas, à vrai dire. Maintenant, il y a un réseau maintenant pour le tuer. J'ai entendu le réseau là-bas pour le tuer. Et il y a quoi, il y a quoi, il y a éliminer. On le donne l'argent, s'il reçoit l'argent là pour l'éliminer. À côté, attends, il y a pour que lui devienne riche. Voilà. D'accord. En dehors de ces deux. Bafé, il y a fini, il y a quoi. Bon, tout le monde aussi, ouais, bah lui aussi, il n'écoute pas. Bon, c'est toujours là. Attends, l'Amérique là-bas, l'Amérique. Bon, lui ici, il a confiance. C'est pour ça qu'il m'a frappé. C'est pour cela qu'il m'a frappé. Voilà. Et vous maintenez aussi que pour la conquête du pouvoir. Permettez. Pour la conquête du pouvoir et la consolidation du pouvoir, il y a eu des sacrifices humains. Nana naki khaybara tinira mangaya femfe ana ma bambamfe ibuna adama wuli barne ibuna adama barne serera un président d'Alisio anu Idrissa Sherif anu gegor era vu l'entente naki rami ba serera akoto et ça n'a fait chuter à John Soro n'a fait et ça n'a ma au départ n'a pas voulu d'Alisa Idrissa Sherif c'était leur vie c'est pour cela c'était leur vie ils ont fait envoyer le fait vous maintenez qu'il y a eu des sacrifices humains. Arrebarating et Emiré Bane Serrera. Ça, 28 septembre, a fait organiser un homme. C'est à cause de ça qu'ils ont organisé le 28 septembre. Bien. Alors, les cas de torture et de viol, vous en savez quelque chose? Torture, nous viol, et une enfant de colons, il n'y a pas de doute, à nous viol, à nous torture. À vrai dire. Ça c'est j'ai entendu que c'est Begré qui faisait et, ça. Et au Kalfa Yaya. Kalfa Yaya. Non, rumeur quand même. J'entendais les rumeurs. Ça s'est pas passé devant moi. Parce que les gens ont passé près d'une semaine, voire plus. Vous n'avez pas appris cela. J'ai dit qu'ils gardaient les femmes là-bas. Avant le 28 septembre. Il gardait les femmes là-bas. Hein. Avant le 28 septembre. Même le 28 septembre, car. Même 28 septembre. Avant le 28 septembre. Même si mon grand Marcel. Il a navé. Lieutenant Fumi en Haïti. Quand ils ont quitté le stade aussi. Ils ont dit qu'ils ont envoyé des nouvelles femmes aussi. Ah, ils m'ont dit, si moi aussi j'en vais. Non, j'ai dit non, non, non. Donc, il y avait des femmes avec eux là-bas. Non, Guinée est née. Et la vie à pied, non plus. Et j'étais dans la vie à pied. Bien. Par rapport au corps, vous dites que c'est le président Dadis lui-même qui a ordonné à ce que les corps soient remis par le chef d'état-major général des armées au général Théa. Il n'a pas fourré tant à fait. A président Nangyati Amoretti, chef d'état-major, a fourré son général Théa. Voilà, monsieur le procureur. Oui, monsieur le procureur. Omar Sanou, chef d'état-major. Omar Sanou, chef d'état-major. Amoutin, raccord, mettez-le. Attends, on a quoi, Rassou Fatou Sikéi. Lui, il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Lui, moi, je voulais savoir, est-ce qu'effectivement, c'est le président Dadis qui a ordonné. Est-ce que Dadis n'en a ordre de faire soi? C'est lui. Merci bien. C'est ce que je voudrais expliquer. Aussi. Vous allez revenir sur les noms, puisque vous étiez au camp Alpha Yaya Diallo lorsque les militaires prenaient le départ pour aller au stade. Nous souhaiterions à tête reposée et de façon calme, vous nous répétez les noms des personnes
qui ont pris le départ pour se rendre au stade. Bon, Achim Belira Lep, Yokoni Rakira, Iramire Khilima Tenga Benari, Kelikan Alfaya, Fafi, Stadma. Makambo. Makambo. On va noter. Ouais, à ce on va noter. Oui. Makambo. Général Baldi. Général Baldi. Pivi. Mameti. Oui. Pivi. Pivi Mamoudou Gilavogi. Mamoudou Gilavogi. Avec Makambo. Makambo. Vous avez commencé par lui. Après Konetea. Colonel Théa. Bienvenue Lama. Mamet Isindé. Colonel Théa, bienvenue Lama. Oui. Kegourou. Kegourou. Oui. Blaise Goumou. Blaise Goumou. Bon, on est bouger. C'est ceux-là qui ont bougé devant moi. Bien. Il y avait aussi les recrues de Kalia. Recrues de Kalia, Fanounana. Mais on était oui. Là-bas ensemble, là, la Est-ce minière. Est-ce que ces recrues de Kalia ont pris le départ devant vous? Est-ce que les départs là-bas, Yahorine? Monsieur le procureur. Monsieur le procureur. C'est la réponse. Ah, oui, oui. Gabi. Et Yahorine. Et départ là-bas, Yahorine. Oui. Et les gens qui étaient avec Pivi, auquel on apprenait les arts martiaux. Et n'arrêt nous arts martiaux rabama, n'arrêt karaté rabama neki, n'arrêt na Pivi da ni tango. Celui que je connais là-bas, c'est Mamoudou Gilavogi. C'est son pote sûr ça. Celui qui faisait tout pour lui. D'accord. Georges était là-bas. Georges, non George, est-ce que Georges était allé au stade? Georges est allé au stade. Oui, parce que. Parce que c'est lui qui a avant été pris là-bas devant. Avant que je devais aller là-bas. Et Théodore. Théodore. Ils sont partis à deux. Mais ils se séparent. Ils se séparent même pas. Hein. Gono était allé au stade. Gono est allé. Non, Gono, Munoma, Anana, t'as même pas que la scène est bas. Il était là-bas. S'il est voilà. Parti, s'il n'est pas parti, je ne peux pas le. Mais Aya Biruatana a fait financer. Mais Kobri. Il connaît, c'est lui qui finance l'argent, c'est lui. Voilà, t'as même fait financer, il s'est refait. C'est lui qui a financé les sacrifices. Tout. Vous oh. Dites qu'au cours de cette matinée, vous n'avez pas vu Pivi. Il n'a rien à dire, c'est que mon Pivi tout. Mon Pivi, grand comme Munoma, qui se Moi, ça va être minière, né. Ganko, je ne peux pas l'accuser, on s'est séparé à la minière. Moi, je peux remonter seul, la nuit seulement, je l'ai vu. Voilà, il était assis avec le président. C'est en ce moment que je lui ai dit, Kegro veut me tuer. Et vous dites que vous êtes allé chez Maître Sampi. Il n'a rien gagné à Maître Sampi, oui. Ah, est-ce qu'on est maître Sampi Loi? Ah, ouais. Vous pouvez décrire sa maison? Monsieur Kadina. Non. Ce qui m'a envoyé là-bas. C'est pas ce qu'il a demandé. Ah. Est-ce que vous pouvez décrire sa maison? Ah, non, ma banque, il t'a dit. Afin, il en a voulu. Oui. Oui, expliquez, sa maison est venue précisément. Ah, banque, il t'a dit. Allô, il va à Ratoma Meni. C'est comme si vous venez jusqu'à Ratoma là-bas. Allô, il va faire à ta droite, il s'amène à terre, tout droit. Allô, ça fait forêt. Vous remontez comme ça, là, à votre droite, comme on allait vers la forêt. Mais Bill a colmé, il se gagne en quelques mètres comme ça. Mais une forêt, t'en dis, mais il a. Vous n'arrivez pas à la forêt. Alors, la villa, là, il a. Il a une villa. Moi, premier étage, bah, deuxième étage. C'est pas premier étage ou deuxième étage. Ah, non, fleur est dans la cour, puis. Il y a la fleur dans sa cour. Voilà. Alors, il t'en a, là, je vois qu'il t'en colle. On vous a reçu. Au ré ou bien à l'étage. Et nous n'avons pas une Non, mon na
salon nankui. On était dans son salon. Anara fala a madame na kuriba mingi na kuriba. Il a dit que madame est là-bas, les gens iba anara fala ni ba am yona guru e na. Il a dit aux gens là que personne ne descend qui sont en train de ali a été ma seigneur. Et on vous a proposé l'argent. Enaka ko bi ni fa fi fa lebe. Ah oui. Vous avez refusé. Enaka ade. Ouais ouais. Bien. Vagamani. Je vais mourir. Bien. Vous dites que il y avait un pépé à côté de lui. Hein? Un avocat pépé à côté y avait de lui. Oh, avocat pépé na sept ma. Non. Gimaradi. C'est pas lui hein. Ah pépé na nambara cabinet na Tombo. Pépé lui m'a dit que son cabinet se trouve à Tombo. Atina ya tanga gomela ga kobri ndifuma. Demain que le lendemain de venir là-bas, il va me donner. À commune en face. En face de la commune. À nous faire Fatimentu. À nous faire monter au cabinet ma semonde. Que dès que je le demande là-bas, ils vont le montrer le cabinet. Merci. Mais, c'est bon. C'est lui qui a fait que je suis Maître Keta. Maître Keta. Ah parce que c'est lui qui vous a envoyé chez Maître Sampine. Ah. Il a rendu Maître Sampine. Non, tant mon belle sous dans. C'est pas lui qui m'a mis la pris la main m'envoyer dit. Anera avoir mon numéro ce mugin dindi, il a quand il va faire l'idée. Qui va donner mon numéro à quelqu'un qui doit m'appeler? Anis Kameni, an kiranga ra kota na Rome. Si j'arrive là-bas d'envoyer son quota. Mais on m'a expliqué profondément. Il ne m'a pas expliqué profondément. Merci bien. Voilà. Et vous dites également que Marcel vous a attaché, il a voulu vous tuer. Et là, Marcel fait crier na ouais farafé. Ah, dans la forêt de Kakimbo. Forêt, Kakimbo, forêt. Ah, Kakimbo, mais effectivement. Oui, effectivement. D'accord. Et le téléphone, on va revenir là-dessus. Le téléphone dans lequel les images des différents corps existaient. Ce téléphone-là appartenait à qui? Notre téléphone, quoi, il y a un téléphone de Gbara. C'était le téléphone à Pibi, c'était pas le téléphone à Marseille. Et les images-là, expliquez-nous un peu, qu'est-ce que vous avez vu? L'image est dédicale, et si on ne peut pas. L'image, Pibi est à Kori. Pibi était arrêté, et il a arboré sa Kori. Alors, il y a Kori dans sa bébé. C'est là où le n'importe les Kori comme ça. Il faut le filmer, parce que le président là n'a pas confiance. Ah, il faut le filmer, le président là il n'a pas confiance. Ah, on a vraiment un son de pas filmer. Il disait ça, il y a un autre militaire qui filmait. Féticheur Fantiri, à quoi il be boulouma. Le féticheur là il coupait, il tranchait les corps. Ah, on est ça ma gabouli. Il le mettait dans la. Il découpait. Ah, découpait quoi? Le féticheur découpait les corps. Ouais, ouais. Il découpait. Oui. Nanan Tomeni. C'est ce que j'ai vu. Na parti à Bête Fantou. Il a frayé, mais bon, monsieur le problème. Il est parti, il soulève, mais il y avait beaucoup de corps, hein. Mon homme, voilà, monsieur, n'a quoi il a attrapé. Non, mais toi, mais quand ça, il y a quelques personnes, c'est pas ça, il y a quelques personnes. Non, mais Gabila a certains 200 et quelques pauvres qui est mort, quoi. Non, donc, comme il dit, ça sent, j'ai entendu Gabila dire que c'est 200 et quelques. Ah, avant ça, mais combien de personnes bah? Quand je l'entends ici, mais de dire combien de personnes? Après, nana y boulum boulum. C'est ce qu'ils ont découpé. Après, nana il dit que il mettait le bras d'autres personnes dans le corps. Quand j'ai eu ça, j'ai eu peur. Quand vient présent dans ce lit, mais grand corps, on a compris. Depuis que j'ai entendu le nom du président d'Addis de Granco, j'ai compris directement. Mais en ce moment, j'étais suivi par des gardes. Mais garde la colonne, les gardes aussi ne savaient pas que je manipulais ce téléphone. Merci beaucoup. Merci bien, monsieur le président.